Bonjour à tous. C'est mieux. Vous allez tous bien ? Oui. Est-ce que vous me connaissez ? Non. Qui me connaît ? Comment je m'appelle ? Faut que je me cache. Hé, il est encore là ? Oui. Tu ne me fais pas peur, Barbossa. Et d'abord, es-tu le vrai Barbossa ? Hein ? Tout à coup, trois gardes du fort Vauban arrivèrent face au capitaine et l'un d'entre eux ajouta. Au nom du maréchal Jean II de Brosse à Dents, je vous arrête. Vous êtes le hors la loi, Jack Sparrow. Jack Sparrow, il a dit, je suis pas Jack Sparrow, je suis Jack Sparrow. On le présente aussitôt devant Monsieur le juge. Monsieur le juge ? Qu'avez-vous à nous dire pour votre défense ? J'ai faim ! Vous n'entendez pas mon ventre comme il gargouille, il fait le bruit d'un éléphant. Si, si, c'est vrai. Suffit vos bêtises ! Connaissez-vous le cachot ? Le cachot ? Voyons voir. Mais ça n'a rien à voir avec mon Black Pearl adoré, ce cachot ! Mais c'est qu'il fait froid en plus ! Vous savez ce qu'il faut faire, mes chers amis, lorsque l'on a très froid et que l'on veut se réchauffer ? Il faut danser, messieurs dames, comme ça ! Tu ne fais rire personne. Bien sûr que si, ça fait rire les troupes. Ah ouais, j'ai mon épée, tiens, espèce de saleté de pin d'acacia. Et toi, le petit pissenlit, allez, allez, allez. Non, mais dis donc. C'est à ce moment précis que le chemin se sépare en deux avec un premier panneau en bois indiquant Saint-Hilaire-la-Palue et l'autre panneau indiquant Surgère. Saint-Hilaire-la-Palue, c'est quoi ces villages-là? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous, ou une d'entre vous, qui sait où on doit aller ? Jean Gabin ! Halte là, jeune homme. Tu marches sur mes terres, et tu m'écrases mes plantations de mauvettes. Ouvrez ton bouteille derrière, et tu t'en souviendras. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris en quelle langue vous parlez. De quel pays vous venez ? T'as vu un hérisson sur la route ou quoi ? Dans le genre menteur, on n'a pas mieux. Vas-y, va. Récite-moi Bébert l'intrépide, je connais pas. Bébert ? Mais je ne suis pas Bébert, je suis Jack Sparrow. Je crois qu'il est sourd comme un pot. M'en vais sortir le fusil de ma poche pour te rappeler qui c'est le propriétaire ici. Pas le fusil, non. Non. Ah, c'est mieux. Ouais. La porte s'ouvre enfin. Un grand gaillard avec un tablier blanc fait signe d'entrée. Notre courageux pirate découvre avec étonnement les lieux. Ce n'est pas une maison, c'est une auberge. Mangez votre soupe. Vous mettez tous vos mains comme ça. Et je veux tous voir manger votre soupe. D'accord, vous êtes prêts ? Au bout de trois. Un, deux, trois. Ah oui, et vous avez le droit aussi de manger à la façon pirate. C'est-à-dire, on fait autant de bruit que vous voulez, seulement avec la bouche. Oh. Allez, on mange. Elle est tellement bonne, on va en prendre un deuxième bol. Qui en veut d'autre ? Est-ce que vous êtes un vrai pirate ? Mais bien sûr que oui que je suis un vrai pirate. Tu n'as pas vu comment je suis habillé, fiston ? Hector Barbossa, qui a trahi autrefois notre ami, saute de l'arbre pour le provoquer en duel. Je sais compter jusqu'à 4. Allez, 5, 6, 7, 8, 9. C'est quoi ça ? Espèce de gros dégoûtant, hein. Allez, vas-y, tire encore, allez, vas-y. Reviens, Jack. Ouais, je ne suis pas sourd, hein. J'étais parti négocier pour acheter une barque. Et finalement, j'ai volé la barque. C'est pourquoi
Vous allez tous m'aider à ramer. Allez, allez, on rampe, on va couler. J'ai les fesses dans l'eau. J'ai des requins. Allez, allez, on rampe. Allez, on rampe. Allez, Lucas. Allez, on rame parce qu'il faut arriver au port. Alors on rame, c'est parti. Allez, on rame. Allez, on rame, allez, on y va. Allez, hop, on y va, on rame. Allez, on rame parce qu'il faut... Avec cette chaleur, tu dois vraiment avoir soif, n'est-ce pas? Bah, c'est ce que je viens de dire. Toi aussi, t'es sourde comme un pot. C'est complètement décousu, cette chorégraphie. Qui a inventé ça? C'est toi? Non. Menteuse, à toi. Vous n'avez pas envie de boire un coup? Oui. Moi, j'ai soif. Et je dois vous rappeler une petite chose, mes chers amis. C'est que les pirates boivent du rhum. Mais comme il y a des enfants aujourd'hui, et particulièrement très jeunes, je suis prêt à accepter une bonne rasade d'eau des toilettes. L'eau minérale, rien de mieux pour la santé. Elle apporte tout ce qu'il faut pour l'organisme. Buvons frais pour notre bien-être. Il reste un poil. Ah, c'est dégoûtant. Vous buvez ça, vous? Allez, en avant, on a tout en avant. Finalement. Oui, je crois que tu as raison. Mais il faut dire que je n'ai jamais vraiment eu le sens de l'orientation, mes chers amis. N'ayez pas peur, je ne m'en suis pas.